Alors, d'où vient Argent Livre? Déjà, ça part du principe que nous sommes en 2017, je suis étudiant en médecine, mais à côté de ça, je me dis qu'il faut que je fasse absolument quelque chose. À ce moment, j'ai trois éléments: mon téléphone portable, une connexion à Internet et le plus important, mon cerveau en mode éveil. Et je me dis, il faut que je fasse quelque chose sur Internet. Donc, je commence par l'humour sur les réseaux sociaux, mais très vite, je me rends compte que ce n'est surtout pas ça que je veux faire. Je teste plusieurs choses et puis, à un moment donné, je teste les livres. Je me rends compte que la communauté accroche, sachant que moi j'en avais marre que la communauté africaine ne se démarque sur les réseaux sociaux qu'au travers du divertissement. Je voulais proposer quelque chose de nouveau. Donc, je commence à partager des contenus liés aux livres, à l'entrepreneuriat, développement personnel, intelligence financière et tout ce qui va avec. Je me rends compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Tout de suite, en parallèle de tout ça, je partage mes business sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a la communauté qui me pose la question de savoir, Valère, comment est-ce qu'on fait pour faire la médecine et le business? Voilà comment, comme moi on m'a appris que chaque fois qu'on me pose la question de savoir, Valère, comment on fait trois points de suspension, ça veut dire que l'argent n'est plus loin. Donc je me dis, comment faire pour monétiser cette question? Tout de suite, j'écris mon tout premier livre intitulé Un pied à l'école, un pied dans le business, qui à ce jour enregistre plus de 5000 ventes. Après cela, il y a une deuxième question qui revient. C'est, Valère, comment est-ce qu'on fait pour écrire un livre? Comment, opportunité de business? Donc tout de suite, on met en place un programme d'accompagnement au cours duquel on accompagne les auteurs-entrepreneurs à écrire un livre inspirant pour pouvoir impacter les générations contemporaines et futures. Le programme en question s'intitule Programme Plume d'élite qui à ce jour a accompagné plus de 103 auteurs, tous africains. Et donc après cela, on s'est dit, ok, écrire c'est bien, mais encore, il faudrait être lu. Parce qu'il y a une règle en business qui dit que si t'es pas vu, tu vends pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'est dit, ok, on a partagé du contenu sur les réseaux sociaux au travers de notre page Argent Livre en question. Sauf que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et donc après ça, on s'est dit, ok, on va mettre en place un événement d'envergure qui va permettre de mettre la lumière massivement sur les auteurs africains, qui suit 5 ans pour but de tutoyer des événements tels que le Festival de Cannes. Donc voilà comment naît le week-end de l'écrivain. Et pour revenir à la question de Argent Livre, puisqu'on était sur les réseaux sociaux, qu'on parlait d'argent parce qu'on avait pour but de décomplexifier la communauté africaine au sujet de l'argent. Donc, puisque notre approche partait des livres, on a donc décidé de joindre les deux, argent plus livre, ce qui a donné argent livre. Alors, comme je le disais en amont, nous on s'est dit, ok, d'habitude, les événements autour de l'écriture qui sont organisés pour les auteurs, très souvent, ça véhicule l'image des auteurs comme quoi ce sont des personnes qui ont faim. Je vais le dire comme ça, je suis camerounais, voilà. Et donc, on s'est dit non. On veut quelque chose de prestigieux pour les auteurs parce qu'on se dit que l'une des caractéristiques des dieux, c'est que les dieux sont immortels. Écrire, c'est devenir immortel. Donc, les auteurs sont érigés au rang de dieu. Et lorsqu'on est un dieu, on se doit d'avoir un traitement de prestige. Le divertissement, c'est bien, mais à un moment donné, j'estime qu'on a besoin de modèles qui apportent une vraie valeur dans la société, des modèles auxquels on peut s'identifier parce que les êtres humains n'apprennent que par référence. Et pour cela, il faut qu'on les érige sur un piédestal afin que les générations futures et présentes puissent s'identifier à ces personnes et se dire, ok, je veux être au même niveau que telle ou telle autre personne. Voilà pourquoi on s'est dit, ok, on va mettre en place un événement prestigieux qui va donner envie aux autres d'écrire eux aussi pour partager leur expérience, parce que dans la communauté africaine, et je vais aller plus loin dans la communauté camerounaise, depuis que j'ai commencé à tourner, j'ai fait Londres, j'ai fait le Gabon, j'ai fait Ouagadougou, j'ai fait l'Italie, j'ai fait la France, je me rends compte que les Camerounais sont très 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 denses. Malheureusement, très souvent, leurs compétences meurent avec elles, leurs secrets meurent avec eux, leurs connaissances pointues meurent avec eux. Donc, nous, on s'est donné pour mission, justement, au travers de cet événement week-end de l'écrivain, de mettre la lumière massivement sur eux, afin qu'ils puissent impacter les générations futures. Mais, faire en Afrique au départ, c'était le Cameroun et Burkina Faso, c'était bien. Mais on s'est dit, on ne doit pas oublier ceux qui sont dans la diaspora. Voilà pourquoi on a décidé de le faire aussi en France. Donc, pour faire court, cet événement-là qu'on a mis en place n'a pour seul but que de mettre massivement la lumière sur les auteurs entrepreneurs africains, afin qu'ils puissent partager leur expérience pour deux raisons. Un, inspirer les générations présentes et futures. Et deuxièmement, mieux se vendre en tant qu'entrepreneur. Parce qu'aujourd'hui, on connaît tous des grands entrepreneurs américains au travers de leurs livres. Et il serait temps que nous aussi, les Africains, qu'on comprenne que le livre est un outil marketing très puissant qui peut nous permettre d'avoir une visibilité très importante
dès lors que c'est bien fait. C'est dans ce cadre-là que se range le week-end de l'écrivain qui aura lieu le 29 juillet prochain à l'hôtel Hilton de Roissy Charles de Gaulle. C'est un cadre très charismatique pour pouvoir refléter l'image qu'on veut donner à cet événement-là. D'aucuns pensent que si on veut cacher quelque chose à un Africain, il faut 3 points de suspension. La citation, je n'aime pas la redire, mais je pense que ceux qui ont compris, ont compris. Ça, c'est faux, parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit plusieurs pages de commérage qui sont uniquement du texte, qui sont énormément lues. Ça veut dire que lorsque ça intéresse un Africain, il lit. Dès que j'ai compris cela, parce que moi aussi avant, j'étais un adepte du commérage, ce sont des contenus en général qui sont faciles, ça détend. Et donc, je me suis dit, comment faire pour produire des livres qui seront intéressants pour nos lecteurs? Parce qu'en général, les livres qu'on en a lus à l'école, ce sont des livres qui ne parlaient pas du tout de nos réalités. C'était écrit dans un français qui était très souvent loin de nous. Du coup, ça ne nous donnait pas envie. Voilà donc, depuis qu'on s'est rendu compte que, ben, on peut écrire des livres qui intéressent les Africains, on s'est rendu compte que les Africains lisent. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes à plus de 103 auteurs qu'on a accompagnés et qui vendent. C'est que ces auteurs-là écrivent des livres qui apportent des solutions, parce que nous, on est orienté solution et non juste pour rêver, parce qu'on nous a fait comprendre à l'école, on doit lire juste pour s'évader, pour rêver, pour sortir de son quotidien. Mais nous, on s'est dit, quand on est dans un environnement où les gens n'arrivent pas à manger, c'est interdit de se distraire. Il faut d'abord trouver des solutions. Voilà pourquoi les auteurs qu'on accompagne, on a choisi à dessein de travailler avec des entrepreneurs, parce que leurs livres apportent des solutions pertinentes. Je vous rassure, lorsque les gens comprennent que derrière ce livre, ils vont trouver la solution à leur problème, c'est comme un médicament, ils n'hésitent pas. Alors, en ce qui concerne le programme de la journée mythique du 29 juillet à l'hôtel Hilton de Roissy Charles de Gaulle, hôtel 4 étoiles, je précise, on attend plus de 500 personnes et des invités de marque. Premièrement, on aura des conférences, des dédicaces, mais aussi et surtout des partages d'expériences d'entrepreneurs, auteurs qui vont revenir sur des expériences qu'ils ont eu à accumuler pendant plusieurs années. Ceci afin de permettre aux générations présentes et futures de ne pas commettre les mêmes erreurs qu'elles. Parce que j'ai pour habitude de dire que c'est vrai, la réussite inspire, mais il n'y a que l'échec qui éduque. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, pour joindre l'utile à l'agréable, il y aura aussi des jeux concours avec plus de 1000 euros de lot à gagner. Et comme si ça ne suffisait pas, il y aura également l'apéritif dînatoire, un espace networking pour permettre aux uns et aux autres de networker, de prendre les contacts parce que le monde se construit dans le réseau. Et il est adhéré, il ne peut pas le nier parce qu'il est bien placé, vous le savoir. Ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, c'est bien. Mais si jamais vous voulez aller à un autre niveau dans votre vie et même dans votre business, vous devez absolument avoir les bons contacts. D'ailleurs, un bon numéro de téléphone vaut mieux qu'un master 2. Je l'ai compris, voilà pourquoi j'ai décidé d'aller dans tous les événements business qui me parlent, parce que je sais que là-bas, je pourrai avoir les bons contacts. D'ailleurs, si aujourd'hui je suis avec Ilay Sopiprod, c'est parce que j'ai eu un bon contact qui m'a mis en relation avec Ilay. Donc si toi aussi, tu as du mal à avancer dans ton business, tu veux gagner en visibilité, tu veux gagner en notoriété, il faut être là où les choses se passent pour avoir les bons contacts qui vont t'amener à un autre niveau. Et donc, voilà pour faire court les différents éléments et quelques petites surprises qui nous attendaient sur place pour le week-end de l'écrivain 2023. Et nous sommes à la deuxième édition, je tiens à le préciser. Un dernier mot, je dirais, je terminerai avec cette citation, c'est que le monde n'est pas mauvais à cause des mauvaises personnes, mais le monde est mauvais à cause des bonnes personnes qui ne font pas leur travail. Nous sommes tous plus ou moins d'accord sur le fait que dans la communauté afro, très souvent, c'est ceux qui partagent des contenus divertissants qui sont positionnés comme des, j'ai envie de dire, des leaders. Mais c'est normal, la nature ayant horreur du vide, si toi tu estimes que tu as une vision bienveillante du monde et que tu ne veux pas gagner en visibilité, ne te plains pas. Donc, ce que tu peux faire tout de suite, c'est de prendre tes responsabilités, de te dire « Ok, j'en ai marre que les choses soient, se fassent de la manière X, désormais moi j'ai quelque chose de mieux à présenter. » Et pour cela, il faut absolument que tu te débrouilles pour gagner en visibilité, que ce soit en produisant du contenu sur les réseaux sociaux ou alors en écrivant un livre, parce que les paroles s'envolent, mais il n'y a que les écrits qui restent. Mais pour cela, il faut être là où les choses se passent. Viens connecter avec les gens qui te montreront que ça n'a rien de sorcier dès lors qu'on a la bonne méthodologie, dès lors qu'on a le bon environnement, mais aussi et surtout dès lors qu'on a les bons outils. Et tout ça, on en parlera ce 29 juillet au week-end de l'écrivain 2023 à l'hôtel Hilton de Roissy Charles de Gaulle, The Place to Be.